Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car je vais faire un challenge chez Jiffy et ça sera je dois shooter tout ce que je veux en 5 minutes. Coucou à tous, alors oui, on se retrouve et on va donc faire un petit tour chez Jiffy, voilà. Et on va donc faire le challenge, Kélia va faire le challenge. J'ai 5 minutes pour acheter tout ce que je veux. Voilà, dans le magasin Jiffy, donc ça va être cool. Donc t'es prête? Je suis prête. Donc c'est parti, on commence. Hop, déjà on rentre dans le magasin. Bon, alors on a fait un petit tour dans Jiffy pour repérer déjà un petit peu quelques petites choses. Donc Kélia a repéré des petits trucs. Donc alors Kélia veut passer de 5 à 10 minutes pour le challenge. Donc ce sera 10 minutes challenge. Et donc tu auras 10 minutes pour acheter tout ce que tu veux. Bien sûr ton frère va participer avec toi. Tu vas participer? Oui. Oui. Donc vous êtes prêts ou pas? Moi je suis prête. T'es prêt? Oui. Oui. Donc 3, 2, 1. Hop, 10 minutes, c'est parti. Alors, en 10 minutes. Oh, je vais en prendre une. Oh, c'est la bien. Oh, j'adore. Alors là, c'est quoi des balles anti-stress? J'adore la voiture. Ok. Bon, alors, Tiliane a déjà disparu là-bas. Qu'est-ce que t'as repéré? Voilà. Les cartes Pokémon? Tu arrives? Merci, au revoir. Ah, on peut pas les prendre, regarde, il y a un anti-vol. On va les demander à la caissière, d'accord? Bon, alors, on a mis le chronomètre en pause. Donc, pour les cartes Pokémon, on doit venir les prendre une fois qu'on sera à la caisse. Donc, voilà, ils ne sont pas dans le caddie. Donc on recommence, on continue. 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc alors, est-ce que mon cœur, tu veux des petites choses qui sont ici au cas où? Regarde, il y a même des Kinder, il y a plein de choses. Donc les cartes Pokémon, on les prendra après. Donc il y a plein de choses. Vas-y si tu veux. Vous avez 10 minutes, hein, donc dépêchez-vous. Hein. Donc il y a plein de choses en caisse. Voilà, alors. Donc, t'as pris des petites choses? Oui. Ok. Ah, il y a un poupsy. Ah, il y a des poupsy là-bas. Je vais en prendre un seul. Trop bien, il y a plein de poupsy. Trop cool. Bon, alors hop, un poupsy. Alors. Tu vas craquer ici? Parce qu'elle dégrade bien la matière. Alors, vas-y. Bon alors, ok, c'est bon. Bon, on continue là-bas alors. Hop. Fais attention au temps. 8 minutes. Alors vas-y. Bon alors là, on est au rayon jeux. Alors vas-y, tu peux le prendre. Donc là, c'est tous les jeux extérieurs pour le printemps-été. Et c'est vraiment top, c'est jouer XXL. Nous en tout cas, on adore. Donc regardez ce qu'il y a. Dommage, c'est le dernier, il est tout abîmé. Ah, il y en a un autre, pareil, tout abîmé. Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu veux prendre ça? Bah vas-y si tu veux. Regardez un DXX. Ouais, bah si tu veux, hein. Prenez ce que vous voulez. Mais dépêchez-vous, hein. Vite, vite, vite. C'est bon, les caddies se remplissent. Alors allez-y, hop, on y va. C'est quoi ça? Pêche au pop. Ah, c'est une pêche au caca. C'est une pêche au caca. Ça a l'air d'être drôle, ça. On peut le prendre. Bah ouais, allez vas-y. Hop, pêche au caca. Alors, t'as pas assez de ballons toi à la maison? Non. Bon, allez on avance. Alors, il y a quoi d'autre? Il nous reste 6 minutes. Donc là on a tout ça aussi. Donc vite 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 on se dépêche. Il reste que 6 minutes. Tourne, fais demi-tour, ce sera plus simple à l'endroit. Voilà, vas-y, passe par là. Bon, alors, il y a quoi d'autre? Donc là, c'est tout ce qui est déco. Donc là, c'est les bougies. C'est trop petit, ça va, pour en reprendre. Ah, alors ça, ouais, ça, on adore. On va en prendre deux, s'il te plaît. Alors, tiens, hop. Tiens. Et un deuxième. Attention qu'il ne soit pas ouvert. Ouais, ça sent trop, trop bon, ça. De quoi? C'est froid. Ouais, c'est super froid. Donc ça, ok. Alors ensuite, là, il n'y a rien d'autre à prendre, je pense. Je sais pas, regarde, il y a tout ce qui est bougie. Je pense. Et il y a du choix en bougie. Là, il y a des coussins. Voilà, il y a tous les coussins. Il est trop beau, maman, celui-ci. Ouais, c'est vrai qu'il est canon. Bah après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'il est canon. Je pense que je vais le prendre car il est trop. Eh bah vas-y, prends-le alors. Alors, on continue. De l'autre côté?
Allez, vas-y, je vous laisse passer. Hop. C'est trop joli. Ouais, donc là, on a tout ce qui est déco. Oh, alors là, toute la déco. Maman, il est pas trop joli. Ouais, c'est vrai, il est super joli. Il y a des piles à mettre dedans. Trop canon. Oh, mais j'ai pas de place. Oui, ta chambre, là, côté déco, je pense que... C'est compliqué, là. Elle est assez remplie, ta chambre, je pense. Hein. Mais il y a plein de choses super chouettes côté déco, en tout cas. Bon, alors ensuite, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prends ce verre, il est trop joli. Bah, écoute, vas-y, si tu veux prendre un verre, prends un verre. Vas-y. Je vous laisse prendre. Bon, alors ensuite... Moi, je vais faire... Alors vas-y. Bon, alors on continue. C'est quoi ça? Des pâtes à rebondissantes. Ouais, une pâte rebondissante. Ok, et il y a plein de couleurs. Ah bah écoute, tu te débrouilles. Fais comme t'as envie. Je vais aller voir ton frère. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Du Play-Doh. Ok. Il y a quoi d'autre que tu veux dans ce rayon-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux? Moi, je vais être ce côté-là. Ok, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, alors là, on est dans le rayon voiture. Donc, forcément, Tiliane craque. Donc là, il y a plein de choix. Il y a plein de jouets. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Alors là, il y a aussi des jouets. Ok. Alors ensuite, il y a de la peinture. Pourquoi tu veux prendre cette peinture-là pour mes... Ok, vas-y. Toi, tu as trouvé quoi? Ça, en fait, il faut... C'est des cartes à gratter. Ok, vas-y, je prends. Bon, alors voilà, le temps est écoulé. Donc, les 10 minutes challenge sont terminées. Donc, on vous montre tout ce qu'on a trouvé dès qu'on rentre. Donc à tout de suite. Bon, alors voilà, on est rentré de chez Jiffy. Oui. Bon, alors ce 10 minutes de challenge, c'était cool. C'était trop bien, j'ai adoré. Et donc maintenant, on va vous montrer tout ce qu'on a trouvé chez Jiffy. Et on a bien craqué comme à chaque fois. Et on a encore bien craqué, donc on vous montre tout ça. Alors j'ai pris un petit coussin rose. Alors il est trop joli. Et en plus, il va super bien avec ma chambre. Ouais, alors il est trop canon ce petit coussin rose comme ça. J'adore. Il est super moelleux, il est tout doux en plus. La couleur est magnifique. Et donc, il ira très bien dans ta chambre. Donc, il était aussi en gris, je crois, là-bas. Oui. Mais Kélia l'a préféré en rose. Alors bon, on va pas vous dire quoi est pour qui. Voilà, il y a des trucs pour Kélia, des trucs pour Tiliane. Donc, on précisera pas à chaque fois, voilà. Alors ensuite. Alors j'ai pris un Poopsie Slime surprise Happy Meal. Alors je croise les doigts pour pas avoir de double comme la dernière fois. Eh ben ça on peut pas savoir. Mais donc voilà, à Jiffy il y a plein de Poopsie Slime comme ça Happy Meal. Donc ça c'est trop cool. Donc je mets ça ici. Alors on a aussi pris un dé jaune. Et moi j'ai aussi pris un dé rose. Voilà, donc le jaune c'est pour Tiliane. Et Kélia a pris le même en rose. Donc on le trouvera tout à l'heure dans tout le bazar. Alors on a pris deux paquets de Pokémon. Un pour mon frère et un pour moi. Et épée bouclier. Alors donc ce sont des cartes Pokémon. Et c'est épée bouclier. Voilà. Moi j'y connais rien en Pokémon. Donc, mais lui bon. Lui c'est mon frère et lui c'est moi. Voilà, donc il y en a un pour Tiliane et un pour Kélia. Voilà. Ensuite... on a pris chacun un petit paquet épée bouclier. Donc là, voilà, ils ont pris chacun un petit paquet de cartes. Voilà, c'est les mêmes. Voilà. Donc pareil, il y a plein de cartes Pokémon à Jiffy. Donc ça, c'est plutôt cool là, aussi. Il y a des grands lots, mais nous, on a pris un petit lot et un énorme. Et un grand lot. Donc alors ensuite. Ensuite, j'ai pris de la peinture. Pour faire des slimes. Oui, et j'adore la couleur violet, rose. Rose pâle et bleu pâle, vraiment, mais les couleurs sont magnifiques. C'est bleu turquoise. Et ouais, donc les couleurs sont trop canon. Et c'est pour faire du slime. Donc voilà. Alors, je pose ça là. Ensuite, j'ai pris deux sortes de pinceaux. Alors, il y a plusieurs sortes. Alors, en fait, des pinceaux, voilà, pour se maquiller tout simplement. Mais il y en a des léopards. Voilà. Et des zèbres. Après.
voilà, il y a plusieurs tailles de pinceaux. C'est juste le petit dessin dessus qui change. Il y en a plusieurs dessins là-bas. Kélia voulait les deux, donc voilà, elle a pris léopard alors, et zèbre. Alors, mon frère a pris un memory. Oui, alors tout le monde connaît ce genre de jeu memory. Mais là, il est en XL, donc c'est encore mieux. Et nous, on aime vraiment beaucoup leurs jeux XL qu'ils font chez Jiffy à la période de printemps-été, justement. Donc voilà. Donc, bah, le dé rose. Voilà, le dé rose pour Kélia. Voilà. Alors ensuite, il y a plein de choses. Mon frère a pris un autre ballon. Un ballon. Il en a tellement de ballons. Mais bon, il voulait celui-ci. Donc voilà. Ensuite, il a pris... de la pâte à modeler Play-Doh. Alors nous on adore la pâte à modeler Play-Doh, clairement. Et donc voilà, il a voulu prendre ce lot de 4 pots. Voilà, donc il y a 4 couleurs différentes. Donc ça, c'est toujours utile. Il a aussi pris des cartes à gratter dans une petite boîte. Alors des cartes à gratter, voilà. Alors sachant qu'il n'y a pas école avec le coronavirus, hein, donc tout le monde le sait ça je pense. Et bah, il faut trouver de quoi occuper les enfants. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris mes plein de balles anti-stress. Alors là, Kélia s'est lâchée. C'est pas une balle anti-stress, ça. C'est un Kinder Surprise. Bon, alors voilà, on a pris un petit Kinder Surprise comme ça. Alors, et donc, il y a le petit poupsi qui tombe. Hop. Donc voilà, j'ai pris 3 couleurs. Une blanche. Alors, ce sont des balles, voilà, comme ça. Ah, c'est trop bizarre à toucher. Je suis en train d'ouvrir une. Oh, bref, moi j'aime pas trop. Mais donc t'as pris une blanche pailletée, une bleue pailletée et une rose pailletée. Voilà. Donc c'est des balles anti-stress, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, oh, balles anti-stress. J'adore la matière. Fais voir. J'adore. Ah, moi j'aime pas. C'est on dirait que ça colle. C'est comme pris action pour non, faire mais nos balles. On dirait que ça colle déjà. Bref, j'adore. Moi j'aime pas. Ensuite, j'ai pris une pâte rebondissante en violet. Voilà, il y avait plein j'hésitais de couleurs. Entre rose et violet, mais j'ai voulu prendre violet. Donc voilà, c'est de la pâte rebondissante. Donc voilà, magique. Étire-la et étire-la, façonne-la et fais-la rebondir. Donc c'est vrai que Kélia n'a pas assez de pâte ou de slime non. Ou de hein, non pas du tout, hein. Ça fait juste un pot en plus. Par contre, j'adore vraiment trop la matière. Ouais, bah voilà. Hop. Bah, c'est pas grave. Alors ensuite. Ensuite, mon frère, il a pris. Ah non, ça c'est moi. J'ai pris des recharges. De friction, car je suis fan de ça. Alors Kélia adore les stylos friction, donc là elle a repris des recharges bleues, voilà. Hop, il n'y a plus de place sur cette petite table. Donc ça, c'est mon frère. Il a pris encore une voiture. Et encore et toujours des voitures. Vous savez très bien que Tilian est un fan de voitures. Et une voiture card, comme si on n'avait aucune voiture card. Et donc, il a pris, ah, ça tombe par terre, une voiture card. Donc, celle-ci, il ne l'avait pas. Donc, voilà. Alors, mon frère a pris un monsieur potato. Voilà. Alors, celui-ci, il est sous forme d'hélicoptère. Il y en avait aussi sous forme d'avion. Voilà. Donc, Tilian a voulu prendre celui-ci. Bon, c'est à partir de 2 ans et plus. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser avec. Hein. Donc, voilà pour ce monsieur potatoes. Alors, ensuite, il y a quoi d'autre dans ce sac? Déjà, mon frère a pris... C'est des boules de pétanque, oui, voilà, pour enfants. En plastique. Voilà, c'est pour enfants, voilà, comme ça. Donc, mais ils sont quand même lourdes, hein. Ben ouais, quand même. Donc voilà, il y en a ensuite, de partout. Bah, j'ai pris une... Pêche au caca. Oui, ça fait trop rire le nom, en fait. Je pense fois, que ça, ouais. Des canards, c'est des... Ça peut être drôle, je pense. Alors, en à fait, c'est dans une piscine comme ça, gonflable. On met de l'eau. Donc là, on a des cacas qu'on met dans l'eau et qu'on on doit pêcher. Voilà. Donc ça a l'air d'être plutôt la drôle piscine, ce jeu. Elle est vendue avec. Oui, tout est vendu dans le jeu en fait. Il y a la piscine, il y a les cacas, il y a les cannes à pêche. Ça c'est trop bien. Donc ça a l'air d'être plutôt drôle je pense comme jeu. Attends, ça va pas tenir là. Tout va tomber on sinon. Va par terre. Vas-y, mets ça par terre. Alors. Ça va être dans le sac. Ah oui, on attend ça. Donc
Donc mon frère a pris une sac surprise. Il en avait aussi un violet, mais moi j'en ai pas voulu. Ok, donc Tiliane a pris une boule comme ça, 5 surprises couleur bleue. Ok. Ensuite j'ai pris Alors en fait c'est un pchit pour mettre dans la chambre, un déodorisant qui parfume en fait la pièce. Et donc nous on adore. C'est fruit rouge. Et comme on utilise beaucoup, on en a repris un, voilà. Et nous on adore l'odeur. Et donc il y en a plein chez Jiffy. Et nous on adore. Donc voilà, je pose ça là. Tu t'en sors? Ah. Après. Donc ensuite, on a pris, il a pris de la pâte à modeler, Alors en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est Play-Doh, c'est pour faire des hamburgers, voilà, en pâte à modeler. À l'intérieur, on a aussi des pots de pâte à modeler, donc ça c'est trop bien. On va bien s'occuper, je pense. Et donc ça, c'est Tiliane qui le voulait. Donc voilà, nous en tout cas, on adore Play-Doh. La pâte à modeler sent trop bon. Donc voilà. Ensuite, ça c'est Tiliane encore. Il a pris une petite banane qui sent trop bon, la banane. Alors, une banane. Il y avait plusieurs couleurs. Ça sent bon. Donc là, en bleu, il y avait plein d'autres couleurs, bien sûr. Ensuite, mon frère, il a voulu prendre un livre pour le CP. Alors, oui, Tiliane adore ce genre de livre. Donc là, c'est maternelle cycle 1 de la grande section au CP, 5-6 ans. Donc, il est en CP. Je pense que c'est très bien pour lui. CP, CE1, ça risquait d'être un petit peu compliqué car il n'est pas encore en CE1. Donc je pense que ça, c'est très bien pour lui. Il va bien s'occuper, hein. Et voilà, vu qu'il n'y a pas école en plus, ça va être top. Donc voilà, il y avait plein d'autres. Il y avait pour CP, CM1, voilà. Kylian n'en voulait pas. Hein. Mais en tout cas, c'est très utile. Alors, je te laisse sortir tout ce qui est du sac, ok? D'accord. Parce qu'il fait trop de bruit, le sac, donc, sinon. Moi, j'ai pris. Donc, du chocolat cookie crème, c'est ça, voilà. Sors tout. Il reste que ça? Ok. Parce que c'est vrai que ça fait quand même du bruit, le sac. Et quand on enlève? Voilà. Et en fait, Tiliane adore ça. Il y en avait déjà deux, et là, il en a pris plein. Et ça fait de la musique en fait. Il en a pris moi aussi. Et il en a pris plusieurs. Il y a plusieurs couleurs différentes. Ils font tous un bruit différent aussi. Donc voilà. Tiliane a pris tout ça. Donc il y avait plein de choix avec plein de couleurs en fait, différentes. Il en a pris sauf deux car il les avait les deux. Voilà, il en avait déjà deux à la maison. Donc il a pris ceux qu'il n'avait pas. Et en fait, c'est vraiment super chouette. Quand on appuie, ça fait de la musique. Et on peut aussi faire comme du piano avec. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, en tout cas, c'est super sympa. Bon, peut-être moins pour les parents, vu le bruit que ça fait. Mais en tout cas, voilà, les petits adorent ça. Pour finir, on a pris un château gonflable. Oui, alors là, c'est la grosse folie. Kélia voulait acheter un château gonflable pour faire un 24 heures. Dedans. Mais on ne sait pas du tout s'il va rentrer dans ta chambre. Donc on l'a acheté sans savoir s'il rentre. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, on l'a acheté et on verra suivant les mesures si ça rentre dans ta chambre. J'espère. Ou pas. Et si ça rentre, on fera un 24 heures. J'ai trop hâte. Bah tu feras à 24 heures dans ce château gonflable. Donc ça peut être drôle à faire, hein. Donc en tout cas, voilà pour tout ce shopping fait chez Jiffy. Et on a encore bien. Donc on a bien craqué, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, nous en tout cas on adore Jiffy. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les magasins. Et en plus, Jiffy, c'est pas cher. Et c'est pas cher. Bon, maintenant je fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus surtout. Abonnez-vous, ciao, bisous.